Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, chers internautes de Maximal HD TV, toujours ensemble avec vous dans la ville de Boma, hein, au Congo central. Fidèles téléspectateurs, nous sommes là pour vous montrer la diversité de la République démocratique du Congo et pourquoi pas vous parler de l'historique. La ville de Boma, c'est une ville historique et nous voilà au Baobab de Stanley, le site touristique Baobab de Stanley. Je sais qu'on nous a raconté l'histoire na classe, ma bête l'habitude du solo, toyebi. Ce sont des gens qui ont quand même marqué l'histoire de notre pays. Et ensemble avec vous, nous allons faire la découverte de ce site. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui viennent pour voir et connaître l'histoire de notre pays. Et voilà, nous aussi, nous sommes venus pour vous faire voir, revivre encore ces baobabs de Stanley. Comment c'était, comment ça se passe. Eh bien, restez branchés dans la chaîne Haute Dimension. Comme nous vous disons toujours, nous sommes là pour vous former, pour vous informer, pourquoi pas à vous divertir. Alors, nous allons vers la personne qui va nous parler, l'historien, comme on l'appelle, bien sûr. Voilà, ça, c'est l'entrée. Voilà, nous allons maintenant raconter la personne qui va nous expliquer concernant ces baobabs de Stanley. Il y a des gens qui vont raconter les bisous du solo, à vous mettre les bisous d'histoire. Parce qu'ils ont abattu Bélé, ou bien ils ont Baobab de Stanley, Baobab de Stanley. Et si quand même, quand tout le temps, on a classe, mais Bélé, il y a vraiment une histoire. Alors, il y a un autre, papa, bonjour. Bonjour. Oui, papa, comment on a dit? On a papa Titondangi. Papa Titondangi, Rosalie. On a pas le chef d'antenne, on a rien dit. Ok, on dit bon. Il met les bisous dans le loin historique concernant Baobab Oyo. Stanley inde alunaka yango ou bien ayaka kukuta yango bisele sono histoire oyo ezalaki kaka awa tondenge nini ou expliquer bisona voilà voilà manje to ko yene a dit c'est pas ba kaine ni sustane ni kadala ki awa. OK, alors Stanley wana na mukusano wa kala as a journaliste. OK, sina nango ego kuma explorateur
C'est là que je suis arrivé. Je suis arrivé. Voilà, tout le monde a un tableau et belé, neti awa pour tout le monde. Groupe de filles de Stanley à Kabinda au terme de leur traversée du continent mystérieux. Voilà, le continent mystérieux c'est l'Afrique. Ok. Hein? C'est l'Afrique. Et puis le groupe de filles, pourquoi nous continuons pas c'était quand Stanley avait acheté des essais à Zanzibar, il était bien nombreux. Il y a un machin pour lui, des gens qui mouraient, des gens qui fuyaient aussi. Mais il y a un groupe de gens qui ont fait pas bien Stanley, qui sont plus les cabines. C'est ici. Avec constaté que le Congo est un pays qui démarre sur le sous-sol. Ça a amené dans les prisonniers du Congo à lutter pour la colonisation. Ça n'était pas bien écouté par les Anglais. Donc il y avait des difficultés. Ah, il n'était pas bien écouté par les Anglais. Il était mal écouté. Les Belges qui ont contacté, il a parlé aux Belges. Parce que les Belges ont bien vu que la chaîne était un petit peu profitable. C'était pas déjà que les dépôts avaient encore envoyé la mission en Afrique après un groupe de dépôts pour venir vivre la réalité. Quand nous avons fait la réalité et la chaîne était quand même examinée, les amis dit, ces gens-là sont allés donner le rapport au roi du Côte. C'est pas les lacs élevés sur les maintenant. C'est des lignes minières, quand surtout aujourd'hui en Belgique. C'est au milieu des gens qui ont vu les célestes. Ok, d'accord, je pense que tout est fini. Alors, on a vu encore l'arrivée de Stanley en gare du Midi à Bruxelles. Voilà, je dis ceci. Bon, le staff de Stalin n'avait pas fait des enfants avec les esclaves noirs. Ah, d'accord. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour ces explications. En tout cas, ça nous a vraiment enrichi. J'espère que
bah on y a son bah et histoire ya Stanley au boulot quand on a la classe ils a site oh il va consacrer en haut bah tout le monde avant ils a qui car bah oba pas mal bah oba ici comme ils a qui a ouvert les lots bah clôturant bien parce que ça fait partie il y a histoire il y a beaucoup à la biso alors ce qui Stanley était bien compris les lots tout le monde a la colonisé par bah anglais mais tellement que bah comprenant qui est bien des missions là et ni n'est pas ça la macamie dans zone là le monde il est l'autre ça colonisé par la Belge parce que langage est là qui facilement na bango en tout cas merci beaucoup toujours continuer toujours balade même sur côté là bas photo ou ça la carte à site. D'accord. Dans les ah ouais, tu voulais quitter, ils allaient caca. N'engue ka et salama. Donc le lobby est qu'au durer pendant. Ah d'accord. Trois siècles. Ok. Wana siko osani neko buka. Et au cas où, mais entrer aux anneaux normal, Mathis, il y a un bout à souffler. D'accord. Donc, il y a un bout à croissance. Les autres bouts à caca. Les autres bouts à caca. 300 ans. Ouais. Ok. D'accord. Chers téléspectateurs, après la découverte du baobab de Stanley, nous sommes maintenant au Fischer, quartier Fischer. Aussi, nous allons découvrir l'historique, pourquoi on appelle quartier Fischer. Eh bien, nous sommes venus voir les deux premières voitures en RDC, hein, bah, voiture Mibale, la première voiture au Ekota na kati ya République démocratique du Congo, pour la marque na yango pe to koyeba historique na yango et ko sala biso malamu parce que mboka na biso ebomi ba secret ebele boyebi bindele ebele ba leka na kati ya mboka ba sepela na mboka na biso ebele ba sala o ba koka ko sala batika histoire. Alors biso na Maximal HD TV ko sala ba descente oyo pour vous faire voir ma réalité, pour vous faire voir ma histoire, hein, pour vous comprendre bien. Alors, nous allons entrer avec vous. Ma benga kangouni, marché Fischer. Bon, mon, on a ma image. Pe, bokozoa, ma histoire concernant les deux premières voitures Awa na Fischer. On y va. Voilà, ah, tu comme si on a Fischer, hein. Pourquoi on a bien un Fischer? On a ni expliqué bisona nous. Est-ce qu'on peut découvrir deux premières voitures? Car on est toujours déjà pour la découverte. Tu comme bêtement ma solo. Ti tant que on a deux voitures. Ah oui, ça Fischer. Expliquez bisona nous. Pourquoi baso bien un Fischer na kata goma? Et y a bon ma part. Quartier, on a bien un quartier Fischer. On a ni occupé un quartier. On a gagné c'est Fischer. Ok. C'est Fischer Azaki. Nationalité nini. C'est Fischer a de nationalité britannique, okay. Allemande plutôt. D'accord. Nationalité allemande. Mm. Il a bon aussi na kalafuna au sala ba père na yé. Mm. Après les acquis dire quoi les acquis a osumba ba beni ba boa na ngoma okay. Ma yombe kuna pour ateka na ba caoutchouc tout ça. Mm. On dit c'est Fischer a là qui quand on a eu besoin de coula, non, parce que c'est ma caractéristique, ma montre. Oui, oui. Ils en a, comme elle dit, capoté. Ok. Ils en a, comme elle dit, capoté. Ils en a, tôle en acide. Et puis,
Je suis en réunion. Vieille voiture à essence. C'est un moteur à 8 cylindres. Puis démarrage à manivelle. Ok. Alors, la piscine, on a vu. J'arrête à la piscine à moi, sinon, mais ramène le ficheur. Je suis sûr qu'on continue à discuter de la voiture à la charrette. Je suis cassé mon bal, mon bal, la baissée, deuxième voiture. Deuxième voiture, c'est une marque La Salle, d'origine américaine. On a fait ça qui. Même quand c'est que na oil boost mais oil mais bah les démarrage mon automatique. Alors, je fais ça afin de mina na boka na bisu awa. Na boma. Na boma awa. Quand on est deuxième état deuxième guerre au sein de ma chico, je fais ça bah bien avec awa ma belge. On a une. Mon deuxième guerre mondiale. C'est qui dit quoi? C'est qui posé par. C'est qui? C'est une confrontation des blocs des pays. Je suis dans le pays de la Sainte Alliance, dans le pays de l'Axe. Okay. Le pays de l'Axe, c'est l'Allemagne qui a confirmé qu'on n'a pas allié. Puis, la Sainte Alliance, c'est qui Belgique, c'est qu'on a France, c'est allié Moussous. Après, on m'a dit que c'est fiché allemand. Et ça m'a dit que c'est un peu de temps. On m'a dit que c'est un peu gênant. On m'a dit que c'est un peu de temps. On m'a dit que c'est un peu de temps. Alors, Nancy, tu m'as dit. Oui, on va y aller. Il y a des gens qui ont mis ces fichiers. Non, mais ces fichiers, il y a des gens qui ont mis ces fichiers. Il y a des gens qui ont mis ces fichiers. Il y a des gens qui ont mis ces fichiers. Il y a des gens qui ont mis ces fichiers. Il y a des gens qui ont mis ces fichiers. Il y a des gens qui ont mis ces fichiers. Il y a des gens qui ont mis ces fichiers. Donc, autrement, on a déjà dit que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train. Et après, la Belge a été en train de se faire. Quand on a été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Tant que les gens ont un bon uniforme. Ok. Le monde, suite à la durée de la négligence, ils ont été en train de se délabrer. Ah, est-ce que vous êtes sûr? Ceux qui ont traité dans le bien, bon, pour attendre un peu. Mituka a eu la quitté, ou la première voiture. Entretien en haut, il n'a pas la normale. Oui, en tout cas, ça c'est. Pas de la même bien. Moi, je suis un petit peu de gens, je suis un peu de gens, je suis un peu de gens. Oh! Donc, je suis un peu de gens. Je suis un peu de gens. Je suis un peu de gens. Ok. Ok. Voilà. Donc, il faut garder en haut bien, surtout ONT. Il faut que ça là, il faut garder en casse. Pour l'histoire, il y a un peu de biso, il y a un peu de monde, parce que si tu perds en haut, mon histoire est aux ala la vite quand même. Il y a un peu de monde autour de la biso, donc ça est nécessaire de toujours avoir tout, tout n'est pas négligé en haut. Parce que quand on fait ce qu'on réhabite, on ne peut pas réhabiter en haut. Il a un nom à bien pour ça. Bon, mais si mon bâtiment n'a pas pu voir, il faut que tu aies pour maintenant aider si mon bimbo. Ok. Donc, sur ton salaire, la recherche, il y a marque, il y a voiture. Oh, tu crois que mon aïeux quand même, dans ma Google et tout, tu crois que mon aïeux. Pour ça, fabriquer par des Stuttgart, en Allemagne. D'accord. Quand tu as un contact, tu vas te Stuttgart pour maintenant, tu as un contact aussi. La salle.
Voilà, dames et messieurs, nous venons de suivre l'historique et nous venons de voir ce site touristique à Boma, le site touristique Fischer. J'espère que vous comprendrez Boyoki, moi petite historique. Ça nous permet de nous enrichir et d'en savoir plus sur l'histoire de notre pays. Comme on dit toujours que Maximal HD TV est partout pour vous faire voir la République démocratique du Congo dans sa grandeur et dans sa diversité.
eh bien, ça nous a fait un énorme plaisir parce que Bissomoropé, to sepeli, parce que Bissomoropé, to moni. Mais ce qui est important est que site touristique Ezali, mais to Rosen a toujours naba kondi amboka, surtout ba oba ba s'occupa ka na oba zana département à tourisme, vraiment to garder histoire yamboka na biso pona bana na biso oyo baza koya na ba oyo basi ba koli ebele ba yebi histoire, mais ça fait très longtemps ba mona ango lisusu te. Alors mutu mususu pa koko se décider aya ko sala voyage na boma pona kotala ba site ya boye po na temps oya bango ba vivaka ba kutaka pe histoire ango ba moni yango bazaka na besoin à tout moment, hein, na ba vacances et tout, ba yaka po ba mona ningi ba tobele ba kenda kotala Tour Eiffel, ndi ba tobele ba kenda kotala Atonium. Yango ba kondina biso bo prendre soin na ba site touristique. Neti na marché Fischer, na ba site touristique misusu obiso to yebi et ko sala vraiment malamu mingi, na so ki boye ko entretenir yango parce que ba bwa o bozo mona awa et comme dangereux pour na ba. Et ça, malamu, nous avons côté la site touristique à Matilikolo, à Koti, à visiter, à Simbi, construction. Oui, Salamaka, déjà, Banébélé, et l'équipe plusieurs années. Nous avons Simbi, Ango, moi, on a 2003, 2004, 2001, 2002, 2004, et 2003, Simbi, Ango. Et ça, la ramala, mon mignon, on a pas continué. Il faudrait penza pour prendre soin. Na o Italie, histoire, yambo kanabiso. Alors, nous allons, faire encore un petit tour, hein. Tozo tamboula li soussou, to kende, pour, to l'accepte nous basit nous soussou, mais pour na lilo, to souki awa, na pessi, merci. Vraiment, on a Julie Yangou Star Plus. Et je remercie également Omega Bangui. Et je remercie vous tous qui êtes branchés, scotchés, dans la chaîne en haute dimension, pour s'abonner, pour partager ma image, ça nous fait un énorme plaisir. Alors, quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye.